Tiens, salut le marin. Oiseau. Ah mais tu sais, tu me surprends plus, hein, ça fait longtemps. Hein. Regarde voir sur ta droite, il y a un petit sachet. Ouais. Il y a des petits trucs dedans. Tu peux en manger un si tu veux. T'es sûr que ça se mange? Non, non, c'est de la morora. Ok. Alors? C'est à la fois salé, un peu sucré, mais je crois que le goût, tout le monde n'aimerait pas. Hein. Mais sinon, ça va, ça passe. C'est toi qui les as fait? Oui, hier. C'est quoi, du coup? Des orteils marinés revenus dans de la ciboulette et de la sauge. Alors, non seulement t'es un gros dégueulasse, mais en plus t'es cannibale. Il y croit en plus. C'est des cubes de bananes séchées. Ouais, j'ai bien ressenti le goût de la banane, mais là, tu m'as mis un doute, hein. Bon, alors aujourd'hui, je vais t'envoyer en mission. Arrête de manger. Je vais te faire prendre un peu d'altitude, encore une fois. Il paraît que la cache a plus de 20 points favoris. Ok, ça marche. Vas-y, je suis prêt. Ah ah, l'altitude de retour. Et donc salut à tous et bienvenue dans cet épisode Geocaching le 86. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu de hauteur, cette fois peut-être un peu plus que dans l'épisode précédent, pour aller débusquer une cache qui semblerait avoir beaucoup de points favoris. Alors on va tous aller voir ça. Je suis curieux de trouver la boîte. Alors du coup, là, ça commence par une bonne grimpette. Bah, on n'a pas le choix, hein, faut y aller. Regarde sur quoi je suis tombé. Tu vas pas me dire que c'est un hasard, ça, hein? Ah, ils ont bloqué les accès, j'ai l'impression. Ah, je savais, c'est la commune qui a repris cette partie du bunker et qui l'a fermée au public pour entreposer des trucs. D'accord. Là, il y a une porte, mais fermée par une grosse pierre. En plus, elle bouge même pas. Ouais, ça doit être des salles qui communiquent avec un long couloir, quoi. Le bunker classique, j'ai envie de dire. Ah, et là, c'est fermé aussi. Il y a un gros placos là devant. Bon, bah, ça me rassure. Ça veut dire que la cache n'est pas là-dedans. Bah, c'est cool. À moins qu'il y ait un accès derrière. Par contre, tu sais quoi, j'ai moyen de grimper sur le bunker. On va voir s'il y a une entrée du dessus. Ce serait une mauvaise idée, mais je vais quand même aller vérifier. Pour une fois que le coin a l'air bien dégagé. Ouh, t'as vu ça? La grosse ronce, là. Ah, il y a moyen de monter, regarde. Il y a moyen de monter. Ah, mais s'il y a moyen de monter, s'il y a moyen facile, c'est que c'est barricadé. Regarde. On est dessus. Ah, c'est drôle comment c'est fait ici. Là, on dirait qu'il y a un trou qui est bouché. Et le truc, il fait des vagues. Le toit fait des vagues. Donc en fait, on devine qu'il y avait des salles. Ça, c'est une salle. Et à l'intérieur, c'est cylindrique, comme on avait déjà vu dans d'autres épisodes. Donc il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dont la dernière, elle est petite. C'est quand même bizarre, hein. C'est la première fois que je marche sur un bunker et que le dessus soit autant exposé. D'habitude c'est toujours un petit peu enfoui, on va dire. Ouais, mais là ça fait bizarre. Bon, du coup je crois qu'en fait, suivant le plan, je devais passer par là, il me semble, si je me souviens bien. Donc on va descendre, par contre on va pas sauter, hein. Là ce serait du suicide. Oh, quoique, 3-4 mètres, c'est peut-être pas du suicide, mais ça ferait peut-être un séjour à l'hôpital. Allez,
Ouais, il faut savoir que quand un bunker est trop bien exposé, généralement c'est la commune qui l'a un petit peu renfloué et qui l'a fermé au public par sécurité. Donc laisse tomber, il n'y a rien à visiter quoi. Du moins, il n'y a rien d'intéressant. Alors du coup, si je me souviens bien, c'est par là-bas, hein, mais je crois que l'épisode va durer une bonne demi-heure parce que là j'ai une chance sur je sais pas combien. Hop, petit saut. Ah, c'est dommage qu'ils aient fermé ça. En même temps, remarque, ça conserve des squatteurs, hein, donc. Ok, donc là on a les rangées de vignes, jusque là tout va bien, et la boîte est quelque part ici, quelque part dans ces rangées de vignes. Et là on a un chemin qui est creusé, on a même des escaliers. Ah oui oui oui, regarde, si on regarde bien, on a encore une partie de l'ouvrage là, tout le long, et là ça descend un petit peu, donc je pense que le bunker devrait faire une grande partie du dessus de cette colline. Ce qui est pas mal. Il y a toujours un truc que j'ai voulu faire, c'est visiter un bunker, mais tu sais, un petit peu comme ceux que t'as dans les jeux vidéo, dans certains, le genre de bunker qui est énorme, t'as des escaliers qui descendent je sais pas combien de mètres sous terre. Ça, ce serait génial, quoi, tu vois. Au risque de te perdre, bien sûr. Allez, c'est parti, on y va. On va monter cet escalier, on verra bien. Donc là, je dois être au-dessus des galeries du bunker. Ah oui, mais regarde, il y a plein de chemins creusés. À moins que ce soit des animaux. Attends, j'ai repéré un truc là. Ah, c'est quoi cette horreur? Attends, il y a une sorte de poupée de cire là. Regarde-moi ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a Jack Sparrow qui s'est paumé dans l'arbre. Enfin, si toutefois c'est ça la boîte, hein, j'en sais rien. Hein. Ah bah oui, c'est ça, effectivement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un oiseau qui s'est perdu. Un perroquet qui n'a plus de tête et plus de pattes, visiblement. Et ben voilà, c'est fait, c'est trouvé. On a trouvé Jack Sparrow. On va... Ah non, la boîte est fixée. Ok, on peut juste la décapsuler et sortir le logbook. C'est pas mal. Ça, c'est un bon système. Logbook traditionnel, ça, c'est cool. Bon, bah c'est parti, hein, on va signer tout ça. Let's go. Le bunker auquel on a marché dessus tout à l'heure, il est juste là à 10 mètres. Sachant qu'il y a des chemins creusés, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui s'éclatent par là. Donc je sais pas, peut-être qu'ils en font leur terrain de jeu. C'est un peu risqué pour la cache parce que s'ils voient un pirate qui fait la gueule au milieu des arbres, je pense que ça va peut-être attirer leur attention. Et bon, peut-être, je pense qu'ils vont le laisser, mais c'est un peu risqué, je dirais. Mais bon, elle a tenu jusqu'ici. Je sais pas depuis combien de temps elle est là, mais bon, apparemment, il n'y a pas eu de problème. Donc tant mieux. En tout cas, c'est rigolo parce qu'il y a des caches. Autant il y en a qui sont bien camouflés, autant il y en a qui sont super visibles. Mais les super visibles, généralement, elles sont. Ouais, elle représente des choses, des formes, des personnages, et purée, c'est génial. Hein. Bon, bah voilà, c'est avec Jack Sparrow qu'on va se quitter ici, tous ensemble. Voilà, et puis, prochain épisode, bien sûr, ce sera le 87. J'espère que la série vous plaît toujours autant. Bah écoute, je vais pas te faire regagner le bateau, puisque a priori, tu t'es échoué dans les arbres. Donc voilà, alors je vous dis à tous à la prochaine. Ne faites pas les choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse, et à très bientôt tout le monde.